Salut à tous et merci de nous rejoindre pour ce match immanquable. C'est ici et maintenant que se joue la qualification. Et c'est tout le charme de la phase de groupe. Un mini championnat où l'on grappille des points, mais où tout s'accélère vers la fin quand se distribuent les billets pour la phase à élimination directe. Et le public a bien compris l'importance de cette rencontre. Les supporters sont venus très nombreux et ils mettent l'ambiance en tribune. Il y a un peu de tension, beaucoup de pression et c'est ça qui est bon. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. Et voici l'hymne national de la Turquie. Maintenant le deuxième hymne. La Suisse a sans doute préparé un plan de bataille pour ce match décisif. À mon avis, il ne faut pas faire trop de calme. C'est clair, le manager a dû dire aux joueurs de ne pas laisser trop d'espace, ils sont tentés de prendre un but et de devoir courir derrière le score. Mais bon, ils sont obligés de gagner aujourd'hui. Il faut aller au charbon, les gars. On est parti pour 90 minutes. Oh, il a pris des risques, ce sera un coup franc. Oui, ça démarre fort, c'est le premier joueur de son équipe averti. La défense s'en sort là. C'est une faute, l'arbitre intervient. Bolo qui rejoue derrière. Quelle séquence de... Ça peut être dangereux. La parade, magnifique. S'il le trouve... Faut tirer là. C'est repoussé. Seferovic. Il s'impose physiquement dans ce duel. Mais il va être sanctionné. Carton jaune, oui, c'est logique. Et cette faute pourrait l'obliger à sortir. La Turquie qui compte maintenant deux joueurs avertis. Çalhanoğlu, peut-être une occasion. Allez jusqu'au bout. Et le gardien est présent. Incroyable. L'ouverture lumineuse. Çalhanoğlu. Il tire. Oh, ils auraient pu payer cash ce ballon perdu. Çalhanoğlu. Oh, la frappe. Quel manque de précision. Ce genre de frappe peut faire des dégâts, même à cette distance. Mais pas là. Il passe sur l'aile droite. Il s'échappe le long de la ligne.
Il a trébuché sur cette intervention. Le coup de sifflet, c'est la mi-temps. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but, mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. C'est donc sur ce score de 0-0 qu'on va se quitter un instant, mais on se retrouve tout de suite. Inspiration. Il tente sa chance. Pour Akilmaz. Ça va sur l'aile. Bien joué ça. Et ce ballon devant le but. Ça doit être rageant pour eux. Ils auraient pu. C'est parfait, magnifique. C'est centré dans l'axe. Un peu d'oxygène pour sa défense. C'est terminé, l'arbitre siffle la fin du match. Ah, les défenses ont été bonnes, les gardiens aussi. Et les attaquants n'ont pas eu de réussite aujourd'hui. 0-0, match nul. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match? Vous savez, il y a des jours où on n'arrive pas à gagner. Eh bien, dans ces cas-là, vaut mieux éviter la défaite. C'est la fin de cet après-midi football. On s'est régalé tous ensemble et merci à vous, Darren, d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir partagé.